Okay. Okay, I'm starting to record now, okay. That's it then. Bon, nous allons commencer maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre programme d'événements que nous appelons Lockdown Lectures, les conférences de confinement. Ce soir aura lieu notre 23e soirée et notre deuxième Zoom en français. Pour ceux qui ne connaissent pas Harif, nous sommes une organisation bénévole basée en Angleterre. Notre objectif est l'éducation sur aspects divers de l'histoire et de la culture des Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette séance sera mise en direct sur la page Facebook de Harif, elle y est maintenant, et elle va être téléchargée sur le site web de Harif. Vous pouvez vous inscrire à www.harif.org pour vous tenir au courant de nos activités. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les dans le chat ou la conversation au bas de votre écran. Elle sera ouverte un peu plus tard. Ne levez pas la main. Ce soir, nous sommes ravis de pouvoir accueillir notre invité, l'historien français Georges Bensoussan, qui nous rejoint de Paris. Monsieur Bensoussan est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Shoah, le sionisme, l'antisémitisme contemporain en France, par exemple, et sur les Juifs des pays arabes. Voici. Il a pris plus de 4 ans à écrire ce livre, Juifs en pays arabes, le grand déracinement, 1850 à 1975, qui a été publié en 2012. Il y a 6 ans, nous avions eu l'honneur et le plaisir d'accueillir Georges Bensoussan à Londres pour en parler. Ce livre est maintenant disponible en anglais. Il a été publié par l'Université de Indiana, Indiana University Press, et traduit par Andrew Halper. Puisque mon organisation Harif est principalement concernée par les Juifs des pays arabes et musulmans, je voudrais commencer notre conversation par focaliser sur ce sujet. Alors, Georges, pourquoi avez-vous écrit le livre? On ne vous entend pas. Un instant. Okay, George, you should be okay now. Oui, c'est bon. C'est bon, on commence au début. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Juifs en pays arabes, parce que en travaillant sur la mémoire de la Shoah, entre autres en Israël, je me suis aperçu que, et en particulier en travaillant également sur ce qui se passait en France au même moment, donc au début des années 2000, c'est-à-dire la poussée d'antisémitisme, je me suis posé 2 questions. La première, comment avait fonctionné la mémoire de la Shoah pour les Juifs d'Orient en Israël? Et puis la deuxième, beaucoup plus importante, parce qu'elle était liée à l'actualité française,
c'était de savoir quelles étaient les racines de cet antisémitisme violent qui se manifestait en France, qui venait pratiquement toujours des mêmes populations, et quelles en étaient les raisons. Et puis aussi poser une autre question derrière, c'était de savoir pourquoi, puisqu'en règle générale, c'est un grand silence qui entourait cette question d'histoire, pourquoi ces juifs du monde arabe et du monde arabo-musulman aussi, mais enfin pour l'essentiel du monde arabe, puisque les juifs qui vivaient en terre d'islam vivaient à 85% en terre arabe et non en terre arabe musulmane et ni turque ni persane, pourquoi ils étaient partis, ou du moins pourquoi cette civilisation avait disparu en si peu de temps. Quand je dis si peu de temps, c'est à peine une génération humaine, une génération et demie, c'est-à-dire qu'en 30 ans pratiquement, ces juifs ont disparu du paysage. À peu près 900 000 à 1 million de personnes, qui étaient des communautés très anciennement installées depuis le Maroc jusqu'à la Perse, jusqu'à l'Iran actuel, depuis parfois 2000 ans, sinon plus de 2000 ans dans le cas de la Perse ou de la Mésopotamie. Je connais l'histoire d'Esther. Et brutalement, en 30 ans, toute cette civilisation a disparu. Et le plus étonnant, c'est que dans les manuels d'histoire, comme dans l'histoire telle qu'elle s'enseigne ou telle qu'elle s'écrit, en France par exemple, et dans le monde occidental en règle générale, il n'y avait pas une ligne sur ce sujet. C'était un sujet ignoré, occulté, je ne dirais pas tabou, mais en tous les cas totalement dissimulé. Voilà ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Et finalement, les livres s'enchaînent toujours les uns les autres. C'est le questionnement d'un livre qui entraîne un autre livre, par exemple. C'est après avoir travaillé durant, vous l'avez dit, 4 ans sur ce livre-là, et après avoir énormément travaillé sur les archives de l'Alliance israélite universelle, qui dispose d'un réseau, d'un dépôt d'archives considérable qui coiffe tout cet ensemble de pays jusqu'à la Perse, que je me suis posé la question de l'importance de l'Alliance israélite universelle qui a donné ce dernier livre publié au début d'année, juste avant la grande épidémie de coronavirus. Oui, et nous en parlerons un peu après. J'ai votre livre. Et je vois aussi que vous avez publié Les Juifs du monde arabe après votre, oui. Votre gros livre ici. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez écrit ce second livre? C'est un peu le dernier chapitre. Ce petit livre publié en 2017, c'est un peu le dernier chapitre du gros livre publié en 2012. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai présenté ce livre de 2012, en France ou à l'étranger, j'ai eu pas mal de discussions avec le public et je me suis aperçu que globalement, c'est une histoire qui non seulement était mal connue, sinon même totalement inconnue, mais qui était aussi mal reçue. C'est-à-dire qu'un grand nombre de gens ne pouvaient pas croire à ce déracinement si rapide de toute une civilisation et toutes les exactions dont ce déracinement a été entouré, en particulier les spoliations massives, en particulier des Juifs d'Irak, par exemple, c'est la spoliation la plus considérable. En un mot, je me heurtais à des résistances, à un savoir qui ne pouvait pas passer et à des questions qui ne devaient pas être posées. Et je me suis donc posé la question, d'où le sous-titre du livre « La question interdite », pourquoi cette question fait-elle l'objet d'un tel tabou ? En quoi est-ce que l'écriture de l'histoire du déracinement de toute une civilisation du monde arabo-musulman, en quoi cette histoire gênait-elle l'intelligentsia occidentale, qui avait du mal à la reconnaître, qui avait du mal à l'admettre? Pourquoi on dirait que cette histoire-là, finalement, contrevenait à ce qu'on appelle la doxa courante progressiste, parce que c'est souvent dans les milieux progressistes de gauche que je me suis heurté au plus de difficultés, simplement pour faire entendre, non pas un récit militant, ni un récit idéologique, mais tout simplement l'histoire telle qu'elle s'est produite à partir des archives et uniquement des archives. Et vous avez dit qu'il y a un déni massif de cette histoire. Oui. Est-ce que je peux vraiment décrire l'essence de ce livre, étant la fossée qui a été creusée vraiment par l'émancipation des Juifs en pays arabe. Est-ce que c'est correct de dire ça? Oui, c'est tout à fait ça, parce que
quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je suis parti avec... D'abord, il faudrait, pour compléter votre première question, vous m'avez demandé quelle était la genèse du livre. Je voudrais vous dire, donner un petit détail anecdotique. En 2005-2006, je crois, quelque chose comme ça, la revue française L'Histoire me demande un article sur l'antisémitisme après 1945 dans le monde. Bon, je fais une rapide recherche, c'est un article de synthèse, un article de vulgarisation, et je tombe sur un témoignage d'un juif égyptien qui a été interné après la guerre des Six Jours dans l'Égypte de Nasser, qui a connu les centres de détention, parfois même aussi la torture. Je lis ce récit, totalement oublié aujourd'hui, qui a déjà plus de 50 ans, et je suis totalement sidéré, effaré, par ce qu'il raconte et qui n'a eu, à l'époque, ça a eu un petit écho bien sûr, mais qui est rapidement tombé dans l'oubli. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi cette question avait-elle été entourée d'autant de silence. Ça a été le point de départ. Et donc, quand j'ai commencé le travail d'investigation dans les archives, je partais avec l'idée préconçue qui règne dans l'opinion courante que, globalement, les Juifs avaient quitté le monde arabe, plus ou moins forcés, à cause du conflit israélo-arabe. Ils les avaient mis à la porte, ou qu'ils avaient été mis à la porte, ou qu'ils étaient partis d'eux-mêmes. Et finalement, en commençant à travailler d'abord aux archives de l'Alliance à Paris, j'ai dit pourquoi, parce que c'est un fonds considérable qui est irremplaçable, et ensuite aux archives en Israël, aux archives sionistes en Israël, en particulier pour la période d'après 1945, parce que là, il y a énormément de documents qui viennent des pays arabes et de l'expulsion, de la spoliation, des exactions qui ont été commises contre les communautés juives, eh bien, au fur et à mesure que j'avançais dans la documentation, surtout à Paris, je m'apercevais que les raisons profondes du départ n'étaient pas le conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe avait été le détonateur, avait été le point culminant d'une tension qui préexistait et qui s'était accumulée durant des décennies et des décennies bien avant. Et en quoi réside cette tension? Dans, vous l'avez dit, dans l'émancipation des Juifs de la condition de dhimmi. C'est-à-dire qu'en gros, pour comprendre cette affaire, il faut explorer toute l'archéologie mentale du monde arabo-musulman. Et cette archéologie mentale, elle repose sur le statut de dhimmi qui est accordé aux religions du livre en terre d'islam, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Mais le sort des chrétiens et des juifs n'est pas identique. Pourquoi? Parce que les chrétiens s'adossent à une civilisation chrétienne au nord de la Méditerranée qui peut toujours les défendre. Les juifs ne s'adossent à rien. Ils n'ont personne pour les défendre. Donc le dhimmi du dhimmi, c'est le juif. Et en terre d'islam, ce statut de dhimmi qu'on traduit en français, justement traduit d'ailleurs par protection, signifie également un statut d'infériorité. Pourquoi? Parce que si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal. Et si j'ai besoin d'être protégé en terre d'islam, je dois me poser la question, protégé de qui et de quoi? Eh bien, protégé de l'élément majoritaire, c'est-à-dire des musulmans. Autrement dit, si je suis un protégé en terre d'islam, je suis un protégé de la violence musulmane. Tout part de là. À partir de là, on comprend comment toute l'architecture mentale du monde arabo-musulman repose sur la suggestion, la domination, et d'ailleurs ça c'est l'un des points clés du monde arabo-musulman, c'est le mot domination, sur la domination du dhimmi. Je ne parle même pas des païens, de ceux qui ne relèvent pas des religions du livre, parce que ceux-là n'ont même pas le droit de vie. Bon, ceux-là c'est carrément la conversion ou la mort. Tandis que les religions du livre, ont le droit de pratiquer leur religion, mais à des conditions drastiques, des conditions draconiennes, des conditions difficiles. Je ne reviens pas sur le statut de dhimmi. Or, il se trouve que ce statut, qui est un statut infamant, et en particulier pour les Juifs, qui s'est traduit par de très nombreuses mesures vexatoires, par des mesures fiscales exorbitantes. Les Juifs étaient les seuls, avec les chrétiens bien sûr, à payer deux impôts supplémentaires. Bon, par rapport aux musulmans qui payaient également des impôts, mais moins, en moindre quantité. Bon, les Juifs étaient soumis à quantité de mesures humiliantes à l'intérieur du quartier réservé, qui était le Mella, par exemple. Bon, je passe sur ces mesures humiliantes dont les archives regorgent et dont je signale au passage, parce que c'est une histoire peu connue, que David Littman et Paul Fenton ont réalisé en 2010 un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « L'exil au Maghreb »,
et qui recense simplement une traduction de l'hébreu et de l'arabe, qui recense une masse de documents sur la condition juive au Maroc entre le XIe siècle et le début du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où les Français prennent pied au Maroc en 1912. C'est impressionnant, ce volume de près de 1000 pages, je crois 800 pages ou 1000 pages. Et ce qui est encore plus impressionnant, je fais une brève parenthèse, c'est que ce livre n'a eu aucun écho dans la presse française. Aucun. Et alors, pourquoi, comment vous expliquez ça ? Mais peut-être j'y reviendrai après, mais je voudrais terminer sur l'émancipation, parce que c'est très important sur votre question. Puis après, je reviendrai sur le silence qui a entouré ce livre, qui est un grand livre d'histoire. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas un livre de militants, ce n'est pas un livre d'idéologues, c'est une traduction des documents de l'arabe et de l'hébreu sur la condition juive au Maghreb. Il y avait toutes les raisons d'intéresser la presse, disons la presse intellectuelle, les journaux comme Le Monde, par exemple, ou autres, qui n'en ont strictement pas fait état. Bon, je reviens à l'émancipation. Quand la communauté juive, depuis le Maroc jusqu'à l'Irak et jusqu'à l'Iran, quand cette communauté juive, sous l'influence de l'Occident, des Lumières, et en particulier l'influence scolaire des écoles mises en place dans ces pays-là, commence progressivement à s'ouvrir aux valeurs occidentales, à s'émanciper, à sortir progressivement de la condition dominée qui était la sienne psychiquement parlant, parce que juridiquement parlant, ces gens-là restent des dhimmis. Mais quand, au fur et à mesure des décennies, par le biais de l'école, que cette jeunesse du Maroc jusqu'à l'Irak et l'Iran, en passant par la Turquie et d'autres pays, mais pas tous les pays arabes, d'ailleurs je signale qu'au Yémen, il n'y a jamais eu d'école de l'Alliance. Quand cette jeunesse se frotte aux idées occidentales, à l'influence occidentale, tant dans les écoles religieuses catholiques, congréganistes, que dans les écoles consulaires ouvertes par les puissances occidentales pour affermir leur influence aussi bien au Maroc qu'en Libye, qu'en Tunisie, qu'en Égypte, qu'en Irak, qu'en Syrie, etc. Bref, dans tout le Proche-Orient, etc. Que dans les écoles de l'Alliance, surtout, l'Alliance israélite universelle, qui a constitué un réseau d'écoles impressionnant. Première école, 1862, à Tétouan, au Maroc. En 1914, 54 ans exactement, après la fondation de l'Alliance à Paris, l'Alliance a ouvert 185 écoles, depuis le Maroc jusqu'à l'Iran, et scolarise cette année-là, à la rentrée scolaire de 1914, 45 000 enfants juifs. 45 000 enfants juifs, ça ne nous dit rien peut-être aujourd'hui comme effectif, mais si je vous dis qu'en 1945, on compte à environ 900 000 juifs ou 1 million à peu près dans le monde arabo-musulman, vous pouvez donc estimer qu'en 1914, il y en a à peine 500 à 600 000. 45 000 enfants juifs qui sont scolarisés par l'Alliance, ce n'est pas la totalité de la jeunesse juive, mais c'est la quasi-totalité. C'est-à-dire que l'influence de l'école de l'Alliance, qui est une école française, est considérable sur les communautés juives du monde arabo-musulman. Bref, pour en venir à votre question, au fil des décennies, par le biais de l'Occident, par le biais aussi du statut de protégé que les puissances européennes accordaient à certains juifs, ou à certains musulmans aussi, comme à certains chrétiens, mais surtout par le biais de l'école, les communautés juives ont progressé intellectuellement, scolairement, et donc socialement. C'est-à-dire que le fils du savetier, du bourrelier de Tunis, pouvait devenir à son tour demain instituteur, peut-être même professeur. Regardez l'itinéraire d'Albert Memmi, par exemple, juif tunisien. Ouais. Ceux qui étaient dans les métiers de leur père, jusque-là et donc condamnés à une pauvreté endémique, ont pu progressivement s'élever dans l'échelle sociale et devenir employés de commerce, employés de magasin, employés d'administration, leurs enfants à leur tour devenir ingénieurs, architectes, avocats. Bref, il y a eu toute une promotion sociale par le biais de l'école qui s'est accompagnée d'une émancipation intellectuelle. Alors, où je veux en venir ? Tout simplement, et vous l'avez dit dans votre question, c'est que cette émancipation intellectuelle est incompatible avec la permanence du statut de dhimmi. À un moment donné, il y a contradiction entre la loi musulmane et le regard musulman qui vous voit toujours comme un inférieur, un être de peu, un être de rien, et vous méprise en conséquence, et en même temps la dignité que vous avez acquise à vos propres yeux par le biais de l'école, de l'influence de l'Occident, qui fait que vous vous considérez comme un égal en droit et en devoir à votre voisin musulman, mais que lui ne vous voit pas comme un égal. Et forcément, à un moment donné, le divorce éclate.
Oui, et je crois que l'Alliance, donc parlons de l'Alliance un peu, l'Alliance a été critiquée pour avoir trop identifié les Juifs à la colonisation française surtout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que l'Alliance a vraiment promu la mission civilisatrice, si on peut dire, de la France? Alors, dans l'esprit des concepteurs français qui représentent, disons, à l'origine, les fondateurs sont ce qu'on appellerait, avec 30 ans d'avance, des intellectuels. Ce ne sont pas des financiers, ce ne sont pas des rabbins, il y a un seul rabbin parmi les 17 fondateurs. Ce sont des intellectuels, il y a un certain nombre de professeurs, par exemple, parmi eux, et des avocats. Bon. Mais au fur et à mesure que l'Alliance s'est développée, c'est progressivement la grande bourgeoisie française qui a pris le contrôle de l'Alliance. Donc, cette grande bourgeoisie française, qui a financé en partie l'Alliance, elle n'était pas seule à la financer, mais enfin, elle y a beaucoup participé, cette grande bourgeoisie a réellement cru à la mission civilisatrice de la France. Elle s'est voulue d'abord et avant tout française et juive. Mais il n'y a aucun nationalisme juif chez eux. Et par exemple, il faut savoir que l'Alliance, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est farouchement antisioniste. Donc, que les concepteurs de l'Alliance aient voulu promouvoir la civilisation française et émanciper les communautés juives et les défendre, parce que c'est ça le but de l'Alliance au départ, c'est pas de scolariser, c'est de défendre les Juifs attaqués en tant que tels, où qu'ils soient dans le monde. Ça peut être en Russie, comme dans les Balkans, comme au Maroc, comme en Iran. Bon. Et il se trouve que très vite, les hommes de l'Alliance, car il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, parmi les fondateurs, les hommes de l'Alliance considèrent que seul l'effort scolaire permettra d'émanciper progressivement ces populations et de les sortir d'une certaine misère. Bon. Donc, ils y ont cru. Mais aujourd'hui, assimiler l'œuvre de l'Alliance à du colonialisme, c'est lui faire un procès profondément malhonnête. Pourquoi ? Parce que quand le colonisateur est arrivé dans le monde arabe, aussi bien en Algérie avec les Français en 1830, qu'en Tunisie avec les Français en 1881, au Maroc en 1912, les Italiens en Libye en 1911, les Anglais en Égypte en 1882, en Irak à partir de 1914 par le Sud et à Bagdad en 1917. Et puis globalement, vous le savez, après l'effondrement de l'Empire ottoman, les Français s'installent en Syrie, au Liban, et les Anglais en Palestine, Irak. Enfin, les Irak, ils étaient déjà depuis 1914. Bref, c'est le régime des mandats, jusqu'aux indépendances d'après la Seconde Guerre mondiale. Bref, tout cela pour dire ceci. Quand le colonisateur arrive dans le monde arabe, comment réagissent les communautés juives? Eh bien, dans l'immense majorité des cas, elles sont soulagées par l'arrivée du colonisateur, parce qu'elles voient en lui un libérateur de l'oppression musulmane. Et lorsque, dans les témoignages à ce sujet abondent, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie, qu'en Libye avec les Italiens, qu'en Irak avec les Anglais, le colonisateur globalement a été bien accueilli. Il a été bien accueilli parce qu'il a libéré ses communautés juives, sur le fond. Donc la vraie question est la suivante. Ces communautés juives ont-elles trahi le monde arabe? Ou bien avait-elle de bonnes raisons d'échapper à la loi arabo-musulmane qui était une loi d'oppression? On connaît la réponse, c'est évident. La vraie question est, qu'avez-vous fait, vous, en tant qu'arabo-musulman, pour que des indigènes comme vous, des autochtones comme vous, applaudissent des envahisseurs? Alors que ce sont effectivement des envahisseurs, même aux yeux des juifs. S'ils applaudissent des envahisseurs, c'est que vous avez fait régner sur eux une loi de plomb, une loi d'airain qui les a constamment écrasés. Ils ont vu dans les envahisseurs des libérateurs. Donc la véritable faute n'est pas celle des juifs ni celle des envahisseurs, c'est celle de l'oppression arabo-musulmane. Et de cela, ils ont été libérés, sur le fond. Donc vous aujourd'hui, avez dit... faire un procès aux communautés juives en les accusant d'avoir pactisé avec le colonialisme, c'est franchement un procès malhonnête. Oui. Il procède de la réécriture aujourd'hui de l'histoire d'une certaine frange du monde culturel occidental. Oui, mais c'est bien les critiques qui disent que c'est où la décolonisation ou le sionisme qui a causé le départ des Juifs, n'est-ce pas? Oui. Ouais.
Alors, la décolonisation, certainement, ça a joué. Le sionisme, non. Le sionisme, non, parce que la question est la suivante. Est-ce que ces communautés juives n'ont réellement commencé à percevoir l'émancipation qu'avec le sionisme? Non, elles ont perçu l'émancipation bien avant, avec le colonisateur et surtout avec les forces scolaires, je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand la décolonisation a sonné, quand l'heure de la décolonisation a sonné après la Seconde Guerre mondiale, oui, pour les communautés juives, c'était la crainte de revenir au statut de dhimmi antérieur. La crainte que les indépendances arabes ne les relèguent à un statut de seconde zone. Et sur ce plan-là, hélas, la crainte était fondée. On a vu ce qui s'est passé au Maroc, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Certes, juridiquement, constitutionnellement, les Juifs sont comme les musulmans, citoyens à part égale des nouveaux États. Mais dans la réalité, les Juifs ont été écartés du pouvoir très rapidement. Certes, dans un premier temps, il y a eu un ministre ou deux Juifs dans le gouvernement tunisien et dans le gouvernement marocain. Très vite, ils ont été écartés et progressivement, par des mesures de restriction, d'oppression sourde et souvent sournoise, on a rendu la vie des communautés juives de plus en plus difficile, de plus en plus précaire. Il n'y a pas eu ouvertement ségrégation, il n'y a pas eu ouvertement une législation antisémite, certainement pas. Mais il y a eu, par le biais de la vie quotidienne, 1000 obstacles, 1000 empêchements, 1000 entraves qui ont rendu la vie tellement difficile, tellement précaire et teintée de crainte, d'une crainte permanente de la violence, que ces communautés juives sont finalement parties les unes après les autres. Sans qu'il y ait eu expulsion massive, parce que c'est ça qui est très intéressant à noter, c'est que dans tous les cas de figure, sauf un, le cas de l'Égypte, il n'y a pas eu d'expulsion au sens juridique du terme. Mais les Juifs ont été dans une situation où ils n'avaient plus d'avenir, n'est-ce pas? Et ils craignaient aussi la violence, c'est la menace de la violence. Enfin, ils craignaient la violence et ils avaient raison de la craindre, puisque à plusieurs reprises après les indépendances, la violence a explosé. Je pense à l'Égypte dans les années 45-48. Par exemple, dans les années 45-48-49 à peu près, à chaque anniversaire de la déclaration Balfour, 2 novembre, eh bien, les communautés juives craignaient les manifestations arabes. Mais ces violences, elles ont eu lieu à plusieurs reprises. Par exemple, au moment de la première guerre israélo-arabe à Oujda, au Maroc, il y a eu un pogrom terrible. Ouais. Il y a eu 40-45 morts le 7 juin 1948. La violence a été la Tunisie au moment de la guerre des Six Jours. La grande synagogue de Tunis a été incendiée. Et alors que les services de police étaient largement complices des émeutiers, ce qui n'est pas le cas de Bourguiba, qui au contraire a réprimé les incitateurs des pogroms. Mais là, il y a eu réellement une flambée de violence populaire qui a été largement couverte par la police en Tunisie, qui était pourtant l'un des pays réputés les plus éclairés. En Libye, ça a été bien pire au moment de la guerre des Six Jours. En Algérie, pendant la lutte de libération du FLN, les Juifs ont été progressivement et de plus en plus ciblés par le FLN. Tout le monde a oublié que la grande synagogue d'Alger a été mise à sac à la fin de l'année 1960. Donc oui, il y a une crainte de la violence qui progressivement entraînait le départ des communautés, parfois en masse brutalement, c'est vrai. Alors c'est le cas de l'Irak, mais l'Irak c'est un cas un peu à part après le Farouk de Bagdad. C'est sans doute le cas le plus tragique de l'histoire du monde arabe. Mais dans le cas du Maroc, par exemple, ou de la Tunisie, ces communautés qu'on disait si bien intégrées, si enracinées et si heureuses de vivre dans ces pays arabes, mais ces communautés ont disparu. La question aujourd'hui que devraient se poser tous ces laudateurs de la fameuse lune de miel arabo-judéo-arabe dans les temps anciens, c'est de savoir si lune de miel il y avait, pourquoi ces communautés ont-elles disparu en si peu de temps? Oui, je voulais vous demander, parce que vous êtes né au Maroc, et on entend souvent que les Juifs du Maroc ont quitté par sionisme, ou que ce ne sont pas des réfugiés. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Alors, il y a eu plusieurs types de départs. D'abord, le Maroc est la plus grande communauté juive du monde arabe. La plus importante, c'est pratiquement 25% des Juifs du monde arabe.
il y a eu une grande masse de départs dans les années 48, 49, 50 par esprit religieux. Je ne dirais pas par sionisme, mais quand les émissaires de l'agence juive ont parcouru le Maroc dans les années 47, 48, 49, 50, etc., et un peu après, pour expliquer dans les communautés les plus reculées de l'Atlas que l'État d'Israël était né, reconstitué. Dans l'esprit religieux d'un grand nombre de ces communautés, ça s'est traduit, ça a eu comme résonance l'idée que l'ère messianique était arrivée et qu'il fallait désormais se mettre en route. Donc, il y a eu énormément de départs qui étaient liés à la religiosité profonde de ces communautés anciennes, à leur esprit profondément messianique, et ça a joué pour les Juifs du Yémen également, et pas seulement pour les Juifs du Maroc, pour d'autres Juifs également de communautés très traditionnalistes. Bon, c'est vrai. Mais tous les Juifs du Maroc ne sont pas partis en 1948-1950. Ensuite, il y a eu des vagues de départ ininterrompues après l'indépendance de 1956. Je rappelle qu'un tiers des Juifs du Maroc étaient déjà partis au moment de l'indépendance. Et ensuite, l'émigration a été interdite par le roi du Maroc, Mohamed V, mais elle a quand même continué, émigration clandestine. Alors, qu'est-ce qui a joué ? Probablement l'esprit religieux toujours, mais il y a également joué ce que vous avez dit tout à l'heure, l'absence d'avenir, et puis cette atmosphère de restriction, de mesures administratives, de la confiscation des passeports, par exemple. On oublie souvent que les Juifs ont été interdits de passeport durant 3 années au début de l'indépendance du Maroc. La difficulté d'ouvrir un commerce, la difficulté de mener une affaire, l'obligation d'avoir un associé musulman pour n'importe quelle entreprise économique. Et donc, l'émigration a continué année après année, et tout ça sur un fond de crainte générale, d'une crainte de la violence arabe. Et il s'est passé la même chose dans d'autres pays également. Donc, au Maroc, oui, il y a eu un départ pour des raisons, disons, je dirais plutôt religieuses et messianiques. Par sionisme, oui, d'une certaine façon, mais c'est relativement marginal. Ça n'est certainement pas une quantité importante de départs. Le reste des départs, c'est comme partout ailleurs. L'absence d'avenir, la crainte et l'étranglement progressif exercé par les autorités arabes. Et quelle était la raison pour le départ de votre famille à vous ? Celle-là, précisément, c'est-à-dire l'absence de débouchés économiques, l'étranglement économique que mes parents ressentaient dans la petite ville où ils étaient dans l'Est marocain, les menaces également qui pesaient sur leurs filles, mes sœurs aînées précisément, les menaces d'enlèvement des filles. Alors j'ai longtemps pensé que c'était un fantasme lié à la crainte. Et quand j'ai commencé à me plonger dans les archives de l'Alliance, je me suis aperçu que ce n'était pas un fantasme du tout. Les enlèvements de jeunes filles juives étaient très, très, très fréquents. Et qu'on ne retrouvait jamais, elles n'étaient pas tuées, elles étaient tout simplement converties de force à l'islam et mariées de force. Donc, quand ces menaces ont commencé à arriver aux oreilles de mon père, dans les années 56, 57, 58, qu'on lui a fait comprendre qu'il valait mieux pour lui partir, de mon esprit musulman lui disait que la sécurité n'était plus tout à fait garantie, et que même en matière économique, un jour ou l'autre, il aurait forcément des ennuis étant propriétaire de telle ou telle entreprise, il a préféré partir dans des conditions économiques désastreuses d'ailleurs, hein, c'est-à-dire un sou en poche, préférait partir avec sa famille nombreuse vers la France en 1958. Et ce n'était pas de gaieté de cœur, puisqu'il quittait, nous quittions une situation, disons, de moyenne bourgeoisie au Maroc pour une situation de grande pauvreté les premières années à Paris. Ce n'est pas un choix, c'est vraiment une contrainte. Et vous avez remarqué qu'il y avait une différence. Plus on était aisé dans la société, plus il y a la nostalgie pour le Maroc. C'est une question de classe, donc, n'est-ce voilà. pas ? Voilà. Justement, cette question, elle renvoie au deuxième livre dont vous m'avez parlé tout à l'heure, La question interdite. Je me suis aperçu lors des débats que ceux dont le public juif originaire du monde arabe, donc en France forcément du Maghreb pour l'essentiel, qui résistait le plus à l'histoire telle que je l'ai racontée dans ce livre, encore une fois, ça n'est pas sorti de ma tête, c'est simplement sorti des archives que j'ai mises en ordre, c'était souvent les gens originaires de la meilleure bourgeoisie d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie. Et cela avait beaucoup de mal à
accordé crédit à ce que je racontais, et encore une fois, ce que je racontais était bel et bien le fruit des archives consultées ici ou là, et pas seulement à l'Alliance, mais également les archives diplomatiques françaises, par exemple. Bon. Alors pourquoi ? Parce que le contact dans ces milieux privilégiés de la bourgeoisie juive, le contact avec l'élément populaire arabe était rarissime. Leur seul contact avec l'élément populaire arabe, c'était les domestiques arabes qui travaillaient à la maison. Mais sinon, ces populations-là ne fréquentaient pas, n'avaient pas d'amis arabes, ne fréquentaient pas de voisins arabes, ils habitaient souvent les quartiers européens, ils n'allaient pas dans des écoles fréquentées également par des élèves arabes, ils allaient dans des écoles privilégiées, ils allaient ensuite au lycée, dans des lycées fréquentés par des Européens. En un mot, ils étaient très coupés de la société arabe. Or, plus on descendait dans l'échelle sociale, et là je pense à Mémy et à la Tunisie, et plus on était en contact avec l'élément arabe, et là où la violence s'exerçait le plus, c'était dans les milieux populaires. C'est là où il y avait contact, milieu populaire juif et milieu populaire arabo-musulman, c'est là où l'antisémitisme pouvait le plus souvent se donner libre cours et le mépris pouvait le plus souvent s'exprimer. Donc forcément, quand on avait affaire aux couches les plus élevées de la société, on avait une mémoire sélective. On avait l'impression que ce qu'on avait vécu en Afrique du Nord, c'était le vécu de tous les Juifs d'Afrique du Nord. Et non, le vécu des couches populaires, et je m'en suis aperçu chaque conférence que je faisais en France ou ailleurs, le vécu des couches populaires aussi bien du Maroc que de Tunisie ou d'ailleurs, était toujours le même, c'est-à-dire un vécu où la crainte de l'élément arabe était omniprésente. Est-ce que vous pensez que l'antisionisme aurait été inévitable dans le monde arabe? On connaît la contribution néfaste du mufti de Jérusalem, mais on pouvait être sioniste en Égypte, par exemple, jusqu'à la fin des années 40. On pourrait l'être au Maroc jusqu'aux années 50. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, il était globalement très difficile d'être sioniste dans un pays arabe. Alors, en Égypte, l'Égypte est un cas à part qui est très, très contrasté, parce qu'à la fois, c'est le seul pays, je l'ai dit tout à l'heure, où il y a eu une expulsion, mais c'est aussi le pays où la coexistence entre musulmans et juifs a sans doute été la meilleure, et de très, très loin, avec le Liban aussi, hein. Je ne peux pas oublier le Liban. Bon. Mais en Égypte, et donc la tolérance en Égypte n'était pas un vain mot. Et cette tolérance a fait qu'effectivement, il pouvait y avoir des sociétés sionistes égyptiennes jusqu'au début des années 40. Ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non, c'était beaucoup plus difficile. Et a fortiori, avec l'exacerbation du conflit en Palestine, le vote de l'ONU sur le partage de la Palestine et la première guerre où l'armée égyptienne était impliquée, non. Il n'était plus question d'être sioniste au grand jour. Mais en dehors de l'Égypte, pratiquement partout, il était plus prudent de rester très discret lorsqu'on était militant sioniste dans les années 1930-1940, aussi bien en Tunisie, même malgré le protectorat français, au Maroc. C'est vrai que le protectorat français protégeait, bien sûr, mais après la fin du protectorat français, il n'était plus question d'être sioniste au grand jour. Les activités étaient clandestines. En Irak, c'était bien plus dramatique, parce que l'Irak est indépendant depuis 1932, et les activités sionistes y sont totalement interdites, bien sûr. Et donc, c'était très risqué. Combien de militants sionistes ont été arrêtés, affreusement torturés en Irak, on le sait. C'est vrai aussi en Égypte, mais beaucoup plus tard. Bon. Non, il était très difficile, évidemment, pour des raisons faciles à comprendre, d'être sioniste ouvertement dans un État arabe indépendant. Ce qui est, on peut le comprendre, tout à fait légitime dans la mesure où le monde arabe a immédiatement réagi par un rejet massif du sionisme dès les années 1910-1920, avant même la déclaration Balfour. Et quel était le rôle des Palestiniens, à votre avis, dans le départ des Juifs des pays arabes? Est-ce qu'ils ont entraîné les autres pays, les autres États arabes dans la guerre de 48? Et est-ce qu'ils ont vraiment mené la campagne contre les Juifs? Alors, il y a deux éléments de réponse. Les,
La cause palestinienne est une cause extrêmement populaire dans l'ensemble du monde arabe, surtout à partir de 1929. À partir des pogroms de 1929 à Hebron et à Jérusalem, la cause palestinienne a enflammé le monde arabe. C'était comme si elle résumait tout le nationalisme arabe, qui est à l'époque un nationalisme étouffé sous le poids du colonialisme, sauf, je l'ai dit, le cas de l'Irak 1932, c'est tout. Et d'une certaine façon, à travers le combat pour la Palestine, les foules arabes du Maroc jusqu'à l'Irak, en passant par la Syrie et autres, se battent également pour leur propre indépendance. Donc, la cause palestinienne est une cause, je dirais, centrale, très tôt, dès les années 1930. Dans toutes les couches de la population arabe, c'était déjà vrai pour les intellectuels dans les années 1920, même à la fin de la Première Guerre mondiale avec la déclaration Balfour. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de réponse, il y a eu une émigration d'intellectuels palestiniens dans les années 40 et 50, et même déjà dans les années 30, souvent des intellectuels chrétiens palestiniens qui étaient intellectuellement et scolairement, je dirais, académiquement, beaucoup plus avancés que les musulmans. D'ailleurs, vous savez qu'à l'origine du nationalisme palestinien, on trouve surtout des Arabes chrétiens et pas des Arabes musulmans. Les deux premiers journaux palestiniens créés en Palestine avant la guerre de 14 ont été fondés par des chrétiens. D'ailleurs, le grand journal égyptien également, Al-Aram, a été fondé par un maronite libanais. Bon, je ferme la parenthèse. Cette diaspora palestinienne intellectuelle des années 30-40 a incontestablement joué un rôle d'aiguillon dans l'antisémitisme arabe un peu partout dans la diaspora. Ça a joué son rôle aussi. On ne peut pas l'exagérer non plus ce rôle, parce que cet antisémitisme s'est largement développé dans le monde arabe dans les années 30, à la faveur aussi du nazisme. On ne peut pas occulter le fait que globalement, le nationalisme arabe a vu dans le nazisme un allié objectif, non pas parce qu'il adhérait aux thèses nazies, pas du tout, ce serait absurde, mais simplement parce qu'il a vu classiquement que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc l'Allemagne nazie, quand elle se dressait contre la France ou contre l'Angleterre coloniale, toutes les deux grandes puissances coloniales, eh bien, le combat de l'Allemagne nazie ne pouvait que rencontrer l'adhésion des masses arabo-musulmanes. Ajoutez à cela l'antisémitisme, et la promesse qu'avait fait Hitler à plusieurs reprises d'éliminer le foyer national juif, on oublie cela. On oublie que l'antisionisme est une donnée fondamentale du nazisme. On ne parle que de l'antisémitisme nazi. Mais l'antisionisme est présent dès les premières heures du mouvement nazi, dès les années 20. Bon, et bien donc, que le nationalisme arabe est pactisé et fait un bout de chemin avec le nazisme, personne ne peut le nier aujourd'hui. On focalise sur la figure du mufti, mais ça va bien au-delà du mufti. Et donc, en venant à l'antisémitisme des islamistes que nous rencontrons aujourd'hui en France et partout dans le monde, est-ce que c'est le même antisémitisme nazi ou d'influence chrétienne ou européen, tout ce qu'on peut dire là-dessus, ou c'est quelque chose de nouveau ? L'antisémitisme arabo-musulman a malheureusement hérité dans les années 20 et 30 d'un certain nombre de thèmes de l'antisémitisme chrétien. Je vais donner ici deux exemples. Le crime rituel. Le crime rituel, c'est une accusation en terre chrétienne qui remonte au XIe siècle en Europe. C'est inconnu du monde arabo-musulman jusqu'au XIXe siècle. Et ce sont des Arabes chrétiens à Damas en Syrie qui introduisent ce thème-là avec la fameuse affaire du moine franciscain assassiné, enfin disparu et sans doute assassiné bien sûr, en 1840. Donc cet antisémitisme chrétien a été importé dans le monde arabo-musulman et ensuite ça va se répandre dans tout le monde arabo-musulman, on va retrouver cette accusation de crime rituel. Et le deuxième exemple, c'est les protocoles des sages de Sion. Ce livre, ce faux antisémite forgé par les Russes dans les années 1902-1903 à peu près, à l'époque du tsarisme, par la police tsariste, a été très rapidement traduit dans différentes langues, mais aussi en arabe en 1926, et il a inondé le monde arabe dès les années 20. Ce qui fait que, par exemple, après la déclaration Balfour, quand les différents dirigeants arabes veulent mettre en garde
les Européens contre le sionisme, que font-ils? Ils mettent en avant les protocoles des sages de Sion en disant « Regardez qui sont les sionistes, ce sont d'abord des juifs, et les juifs, voyez de quoi ils sont porteurs, lisez bien ce livre, les protocoles des sages de Sion. » Donc oui, il y a tout un élément européen pardon, qui a irrigué l'antisémitisme arabo-musulman. Bon, mais cet antisémitisme arabo-musulman n'a pas grand-chose à voir avec le nazisme sur le plan, sur le plan du délire biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délire racial dans l'antisémitisme arabo-musulman traditionnel. C'est un antisémitisme qui s'appuie sur l'enseignement coranique, sur les hadiths, sur la sunna, sur la tradition coranique qui fait des juifs des êtres parjures, menteurs, méprisables. Ça, là-dessus, tout l'enseignement coranique en est plein. Mais il n'emprunte pas, cet antisémitisme-là n'emprunte pas au thème racialiste de l'antisémitisme nazi, qui est un pur produit du racisme européen du milieu du XIXe siècle. Alors ensuite, est-ce que l'islamisme aujourd'hui emprunte au nazisme? Non. Ce qu'il emprunte au nazisme, c'est son côté totalitaire. Mais ça, son côté totalitaire, il n'a pas besoin du nazisme pour le trouver, tout simplement parce qu'il puise d'abord et avant tout dans l'islam, qui est une religion profondément politique. On ne peut pas parler d'islam politique, comme on le fait souvent en France, de façon un peu stupide, parce que l'islam n'est que politique. L'islam est un code juridique et politique. Donc, sur ce plan-là, c'est une religion totalisante qui englobe la vie tout entière de l'individu, qui est plongé dans la communauté, qui n'a pas d'autre existence que la communauté. Sur ce plan-là, c'est donc une religion totalisante. Et à partir de là, l'antijudaïsme coranique, l'antijudaïsme musulman, s'est développé et il a pris le relais de l'antijudaïsme arabe de type nationaliste, qui a totalement échoué sur le fond, puisque le nationalisme nassérien a été battu. Et aujourd'hui, c'est cette forme-là d'antisémitisme qui prévaut. Une forme, encore une fois, qui s'enracine dans l'enseignement traditionnel de l'islam, qui un enseignement qui ne peut pas concevoir l'émancipation du dhimmi et qui peut encore moins concevoir que le dhimmi émancipé ait pu construire un État sur une terre, la Palestine, réputée arabo-musulmane et plutôt musulmane d'abord de toute éternité. Pourquoi? Parce que selon la loi musulmane, une terre qui a été irriguée une fois par l'islam est musulmane pour toujours. Bon, donc, que cet État soit créé sur une terre musulmane est un premier scandale, créé par des dhimmis est un deuxième scandale. C'est ce qui explique aussi, c'est l'un des grands verrous anthropologiques à la résolution du conflit israélo-arabe, c'est cette dimension-là qu'on a du mal à accepter l'émancipation de celui qu'on a toujours, dans son économie psychique, voulu comme un être dominé. Oui, je crois que vous avez répondu un peu à la question de Claire Moati. Pouvez-vous expliquer le lien entre l'antisémitisme en France et la population musulmane? Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je vais essayer de la question de Madame Moati. C'est bien ça. Et s'il vous plaît, mettez vos questions sur le chat, sur la conversation au bas de l'écran. Merci beaucoup. Alors, mais je voulais vous demander, l'antisémitisme coranique, c'est plutôt le mépris, n'est-ce pas, comme vous l'avez dit beaucoup de fois, mais c'est devenu quelque chose d'autre, n'est-ce pas, c'est devenu la haine, haine, et puis on veut détruire le juif, on ne veut pas simplement le tolérer. C'est ça, c'est-à-dire que le combat contre le nationalisme juif, contre le sionisme, mais en même temps aussi le choc qu'a été la modernité occidentale et que continue à vivre l'islam face à la modernité occidentale, a entraîné un raidissement des milieux musulmans, d'un certain nombre de milieux musulmans en tous les cas. Et ce raidissement s'est traduit par le passage vis-à-vis des juifs d'une économie du mépris à une économie de la haine. Or, c'est surtout le mépris qui domine dans la société traditionnelle arabo-musulmane du XIXe siècle, plus que la haine déclarée. Aujourd'hui, c'est franchement la haine, sur le fond. Mais cette haine, elle vient à la fois de la cristallisation de la haine dans le combat contre le sionisme, mais elle vient aussi du fait du raidissement du monde musulman
face à une modernité qui est confondue à l'Occident et qui est confondue aux Juifs. Les Juifs et l'Occident, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme en France, si vous voulez, où les milieux antisémites de cette obédience-là confondent les Juifs et la France. Et c'est, quand ils sont antisémites, ils sont souvent aussi francophobes. Ils détestent la France, qui est leur patrie tout court, je veux dire, leur patrie d'accueil. Non, pour les enfants qui sont ici, c'est leur patrie tout court. Alors, j'en arrive à la question de Mme Moati. Le lien avec l'antisémitisme, aujourd'hui, il est double. Il y a d'une part une matrice culturelle de ces populations maghrébines, en tous les cas d'une partie d'entre elles. Et cette économie culturelle, c'est que dans l'économie psychique de ces sociétés-là, souvent le juif est vu avec mépris et rejeté. Bon, c'est les témoignages à ce sujet abondent, ce n'est pas la peine de revenir infiniment là-dessus. Bon. Peu de milieux y échappent, c'est comme ça, c'est une empreinte culturelle très forte. Ces populations, quand elles arrivent en France, arrivent avec aussi leur lot de préjugés et leur culture. Bon. Il se trouve que, dans certains cas, on y échappe. Tout le monde n'est pas... C'est comme dans les milieux européens au XIXe siècle où, globalement, on était antisémite. Il arrivait que certains échappent à l'antisémitisme ambiant. Bon. Donc, tout le monde ne l'est pas antisémite, mais pour ceux qui le sont, cet antisémitisme matriciel, cet antisémitisme d'origine, culturel d'origine, s'est aggravé, dans certains cas, à la troisième génération. Pourquoi ? Parce que toutes les frustrations liées au défaut d'intégration dans la société française, qui ont été vues comme des manifestations de rejet de la part de la France, par exemple, de racisme de la part des Français, n'ont fait qu'exacerber l'antisémitisme traditionnel, et tout se passe comme si le juif, entre guillemets le juif, était responsable des problèmes de non-intégration de l'arabo-musulman en France. Autrement dit, cet antisémitisme qui est venu sous la forme de préjugés classiques chez les grands-parents, qui sont arrivés en France pour devenir ouvriers ici ou là, par exemple, dans les banlieues françaises, a pu se traduire chez certains de leurs petits-enfants, pas chez tous, heureusement, encore une fois, a pu se transformer malheureusement et s'aigrir chez ceux qui avaient des difficultés d'intégration en idéologie du ressentiment, un ressentiment contre le juif rendu responsable des problèmes d'intégration. Et d'autant plus responsable que ces juifs en France sont majoritairement des juifs séfarades venus d'Afrique du Nord, et ils occupent, socialement parlant, des positions plutôt élevées dans la société française, culturellement, scolairement, socialement. C'est une communauté très bien intégrée, très bien acceptée, et qui, professionnellement en tous les cas, occupent des positions souvent supérieures. Regardez par exemple la place des Juifs en médecine française. C'est assez impressionnant, l'importance de la représentation juive, je dirais, dans le corps médical français. Bon. Et donc ça n'a pu qu'encourager, si vous voulez, qu'aggraver la frustration, le ressentiment. Et le ressentiment, c'est la matrice de toutes les haines, aussi bien la haine antisémite que d'autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Alors, Véronique... All questions in chat, please. Véronique demande, est-ce qu'il y a dans l'islam à la fois un anti-judaïsme, allégation que le judaïsme a falsifié la parole d'Allah, et une haine teinté de mépris pour les juifs? Alors là, vous avez à moitié répondu, je crois. Il y a les deux. Je ne suis pas spécialiste de l'islam ni du Coran, mais pour ce que j'en sais, il y a à la fois un véritable hommage qui est rendu aux juifs qu'on appelle les Banu Israël, les fils d'Israël, pour le message qu'ils ont transmis, mais en même temps, il y a également un rejet parce qu'ils sont accusés d'avoir trafiqué les textes, trafiqué l'enseignement des prophètes et finalement trahi l'enseignement de leurs prophètes. D'autrement dit, ils ne sont pas à la hauteur du message que leurs ancêtres et leurs prophètes leur ont transmis. Et aujourd'hui, ce sont devenus des êtres méprisables. Alors on peut évidemment comprendre comment on en arrive dans l'islam à ce type d'interprétation. Des premières sourates
les sourates de la Mecque, qui sont des sourates qui sont plutôt philo-judaïques, je dirais, qui sont plutôt favorables aux juifs, aux dernières sourates, qui sont les sourates médinoises, qui sont en revanche très hostiles aux juifs. Mais vous savez que le Coran n'est pas classé du tout en fonction de l'ordre chronologique des sourates, il est classé en fonction de la longueur de chaque sourate, ce qui fait que ça donne un aspect très incohérent au texte. Mais quand on se penche sur l'historicité de chaque sourate, on constate que les dernières sourates, les sourates médinoises, c'est-à-dire au moment où l'État musulman, le califat, est créé en 622 par Mahomet, ces sourates-là sont très hostiles aux juifs, ce qui n'est pas le cas des premières. Pourquoi ? C'est aussi parce que les juifs ont refusé le message du prophète, ont refusé le message de Mahomet et n'ont pas rejoint son camp comme il les appelait à le faire. Une petite question de Viviane Lévy. Quel était le rôle des Rothschild et de l'Alliance ? Alors là, je voulais signaler aux auditeurs que nous allons avoir une soirée Zoom sur l'Alliance pour fêter les 160 ans de l'Alliance. Et nous aurons l'honneur de la participation de Georges Bensoussan et nous pourrons vraiment explorer cette question en plus de profondeur. Et peut-être vous pouvez brièvement répondre à cette question sur les Rothschild. Sur les Rothschild et l'Alliance, c'est ça ? Oui, et l'Alliance. Les Rothschild n'ont pas immédiatement été des financiers de l'Alliance, mais ensuite, ils y ont participé et ils ont œuvré, comme beaucoup d'autres philanthropes juifs et de la grande bourgeoisie juive française, ils ont œuvré à l'assise financière de l'Alliance. Mais le philanthrope le plus important de l'Alliance à ses débuts, du moins durant les 30 premières années, c'est Maurice de Hirsch. C'est aujourd'hui un nom oublié, mais c'est l'homme de la colonisation juive en Argentine. C'est l'homme aussi d'une œuvre scolaire importante et il a énormément fait. Mais les Rothschild, ensuite, à leur tour aussi, ont participé, comme ils ont participé d'ailleurs à toutes les grandes œuvres sociales du judaïsme français. Et deux questions ici, vraiment sur la situation avec les États arabes. Aimé Israël Pelletier demande, pensez-vous crédible les tentatives par les gouvernements du Maroc et d'Égypte d'inviter les Juifs à retourner ? Et l'autre, de Ada Aharoni, demande, est-ce que vous croyez que si cette expulsion des Juifs des pays arabes est mieux connue, que ça peut aider à la réconciliation entre Israël et les Palestiniens, surtout étant donné que là, je ne vois pas le reste, surtout, voilà, en tout cas. La première question, c'était Le droit de retour au Maroc ou en Égypte. Oui, ce sont des opérations de propagande, ni plus ni moins. Des opérations de propagande qui visent à s'offrir vis-à-vis du monde occidental une bonne image. Mais ça n'a rien de réaliste. Vous imaginez aujourd'hui les communautés juives revenir au Maroc dans une atmosphère passablement antisémite et à la merci du premier pogrom. Ça n'est pas crédible une seule seconde, c'est de la publicité, c'est tout. Et l'autre question, est-ce que si cette expulsion était mieux connue, est-ce que ça pourrait aider à la réconciliation entre Israël et les Palestiniens? Je ne crois pas, parce que ça n'a rien à voir sur le fond. Les Palestiniens ont des griefs qui n'ont rien à voir avec le départ des Juifs du monde arabe. Ce sont deux questions différentes. En revanche, que cette histoire soit mieux connue, qu'elle soit dite, qu'elle soit écrite, qu'elle soit enseignée, pourrait peut-être, si il y avait de liberté d'expression dans les pays arabes et si l'enseignement y était libre et la presse totalement libre, il pourrait y avoir peut-être une meilleure compréhension désormais entre juifs et musulmans, entre juifs et arabes, et forcément entre Israël et le monde arabe. Du côté de la Palestine, c'est une autre question. Là, c'est réellement une question de légitimité entre deux nationalismes qui se sont affrontés sur ce tout petit bout de territoire.
Et Levana Zamir dit les Juifs d'Égypte sont un cas à part. Il aurait peut-être mieux valu ne pas les inclure avec l'histoire des Juifs du Maroc, Tunisie, Algérie. Non, il faut parler, je pense, de toutes les communautés juives, parce que et en même temps, pourquoi les exclure? Parce que c'est une histoire moins sombre. Au contraire, il faut dire aussi qu'il a pu y avoir dans les relations entre juifs et musulmans des pages un peu moins sombres dans l'histoire. Il n'y a pas que des pages d'horreur, ça n'est pas vrai. Alors, le cas de l'Égypte est un cas emblématique, c'est un cas heureux, je dirais, qui tient à des conditions très particulières d'un judaïsme égyptien, d'ailleurs, qui est très récent. Je rappelle qu'au moment de la conquête par Bonaparte de l'Égypte, enfin la conquête, l'expédition d'Égypte au début du XIXe siècle, on pense qu'il y avait à peine 8000 juifs et qu'en 1914, on compte pratiquement 80 000 juifs. Alors, ce sont des juifs qui sont venus pour l'essentiel de l'immigration séfarade, des migrations orientales, soit du Maghreb, soit des juifs des Balkans séfarades, soit même des juifs ashkénazes. Ce qui donne d'ailleurs à la communauté juive égyptienne une teinte particulière, c'est une communauté très divisée. Il n'y a pas une communauté égyptienne, mais au moins quatre. Levana Zamir n'est pas d'accord. Malheureusement, elle dit que c'est plus sombre, l'histoire. Enfin, passons à d'autres choses. Je voulais simplement vous dire qu'une chose qui m'a frappée quand j'ai lu votre livre, c'est votre description de la hiérarchie qu'il y avait sous la dhimmitude. La soumission du musulman à Allah, la femme du musulman se soumet à lui, le juif se soumet au musulman, et tout au bas de l'échelle se trouve l'esclave. Et ça m'a frappé parce que c'était vraiment une colonisation musulmane, n'est-ce pas? Tout au long des 13 siècles où il y avait des juifs en pays arabe. Et ce qui est important pour ça, c'est une inversion vraiment de la propagande anti-israélienne qui dit que Israël, ce sont des colons qui viennent d'Europe et qui sont venus coloniser la terre de Palestine. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Avec quelle affirmation? C'est une colonisation d'abord musulmane des dhimmis. Ah, d'accord. Oui. Est-ce qu'on a eu affaire? On a eu affaire à une colonisation arabo-musulmane. D'abord, l'islam s'est propagé à partir du 7e siècle. Aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest. Et la colonisation de peuplement arabe, qui représente d'ailleurs très peu d'effectifs, hein, très peu d'hommes, très peu de femmes, évidemment, des effectifs très modestes, a essaimé dans la foulée, ce qui fait qu'une grande partie des populations ont été islamisées. Par exemple, au Maghreb, l'essentiel des populations sont des Berbères, qui ont été islamisés, souvent oui. De force. Bon, mais les Arabes en tant que tels, comme fond de peuplement, étaient relativement minoritaires. Donc, on a eu affaire, dans le cadre de l'islam, à une colonisation, bien sûr, c'est un processus colonial. Alors ensuite, vous avez parlé d'une hiérarchie dans la soumission. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je voudrais signaler le livre d'un sociologue marocain qui s'appelle Mohamed Enadji, qui a écrit un livre il y a une quinzaine d'années à peu près, qui a été traduit en français. Peut-être qu'il a d'ailleurs écrit directement en français, il s'intitule « Le sujet, le mamelouk ». C'est extraordinaire parce qu'il fait une analyse à travers le vocabulaire politique de la langue arabe, une analyse linguistique. Il analyse tout le système de pouvoir dans le monde arabo-musulman, et qui est un système de pouvoir basé sur la domination et la soumission et l'écrasement de l'inférieur. Et c'est très intéressant parce que ça renvoie déjà à la signification du mot « islam », qui signifie soumission, et ça renvoie également à la stratification de ces sociétés qui, du maître musulman jusqu'à l'esclave, qui est souvent l'esclave noir, je rappelle que abd, ça veut dire à la fois l'esclave, ça veut dire également noir en langue arabe, ces sociétés qui sont des sociétés esclavagistes et profondément oppressives et verticales
dans cette verticalité-là, vous avez aussi la suggestion du dhimmi. Et donc, dans ces sociétés-là, qui sont des sociétés de colonisation, effectivement d'héritage colonial, si on ne fait pas l'anthropologie du pouvoir de ces sociétés-là et l'étude de cette architecture verticale de la domination, on ne comprend pas comment fonctionnent ces sociétés au XIXe et au XXe siècle, et donc on ne comprend pas comment et pourquoi, par exemple, et l'antisémitisme a pris une telle importance, et le conflit israélo-arabe est impossible, pour l'instant, en tous les cas, un siècle, plus d'un siècle après avoir débuté, impossible à résoudre. Assez pessimiste, là. Bon, un peu pessimiste, pas totalement, parce que l'histoire réserve beaucoup de surprises, elle est ouverte, elle n'est pas écrite. Ici, une question de Liliane Seidman. Dans quelle mesure André Azoulay, conseiller du roi du Maroc, est considéré par le peuple arabe? C'est une bonne question. Il faudrait la poser à André Azoulay lui-même. Je crois qu'on va passer à la dernière question. Et ça vient de Andrew Halper, le traducteur de votre livre. Dans l'histoire moderne, c'est-à-dire le 19e siècle au 20e siècle, des juifs dans le monde arabo-musulman, quelles sont les questions les plus importantes qui restent toujours à éclairer par les historiens? Et avez-vous quelques sujets dans le collimateur que vous pouvez nous dévoiler? Des sujets sur cette histoire? Certainement. Alors, les questions qui devraient davantage être explorées, c'est précisément la question de, disons, cette anthropologie culturelle propre au monde arabo-musulman basée sur la tradition, la sunna, les hadiths, le Coran, etc., qui peut expliquer les mécanismes de pouvoir, comme les mécanismes de domination, comme les mécanismes d'antisémitisme dans l'histoire contemporaine du 19e et 20e siècle. Donc, une anthropologie culturelle, premier point. Et c'est un pan de l'histoire qui est très mal vu parce qu'aujourd'hui, dans la doxa courante, l'anthropologie culturelle est assimilée au racisme. On fait de l'histoire culturelle, c'est comme si on ne voulait pas dire le racisme dans les termes de la race du 19e ou du 20e siècle, dans les termes nazis ou biologiques, par exemple, mais qu'on faisait du racisme autrement, de façon plus soft, en quelque sorte. Non, l'anthropologie culturelle n'a rien à voir avec le racisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'explorer de façon plus précise, à travers les archives ou à travers d'autres témoignages, quels ont été les rapports des communautés juives avec les colonisateurs. Ce sont des rapports très ambivalents. Il ne faut pas croire que si les juifs ont bien accueilli les colonisateurs souvent, les colonisateurs ont bien accueilli les juifs. Ça, certainement pas. Les colonisateurs venaient avec leur lot de préjugés et ont eu vis-à-vis des juifs tout le panel de réactions antisémites de l'Europe de ce temps-là. Voilà quelques-uns des aspects. Puis, il y a un troisième aspect, là ça répond au deuxième volet de la question d'Andrew. Quelles pistes nouvelles, quel sujet nouveau? Oui, il y a un sujet qui est particulièrement passionnant, c'est les racines du conflit israélo-arabe d'aujourd'hui. Parce qu'autant on s'intéresse à la guerre d'indépendance et aux guerres qui ont suivi, à la guerre des six jours qui, pour la négociation avec les Palestiniens, les accords d'Oslo et tout ce que l'on sait, autant on connaît mal les véritables racines des années 1870-1914, par exemple, et même un peu au-delà. Et là, je crois que ça nous apporterait beaucoup d'éléments de réponse pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup de livres dans le collimateur. En tous les cas, le dernier. Nous attendons avec impatience la publication. Alors, les mots aussi. Alors sur cette note, je voulais conclure notre réunion et vous remercier vivement. Ça a été fascinant. Merci beaucoup pour votre temps, pour nous avoir. C'était un plaisir pour moi aussi. Informé. Merci beaucoup. Et je rappelle aux auditeurs que nous avons cette soirée sur l'Alliance israélite universelle qui se tiendra
le 25 novembre, avec la participation de Georges Bensoussan, bien sûr. Et j'espère vous revoir le 25 novembre, sinon plus tôt, parce que nous continuons avec nos lockdown lectures et les prochaines seront en anglais. Mais je pense que nous reviendrons en français, au français, dans l'avenir. Alors, je vous remercie tout le monde pour nous avoir rejoints. Je vous souhaite bonne soirée, bonne santé, bonne année et à bientôt. Merci beaucoup.